Salut, 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 salut. De retour dans le salon. Et vous tenez à remercier tout le monde pour ce bon comment vous avez mis. Et One Views qui nous a gagné aussi pour Pascal Pierre. Et comme les, toutes les habitudes qui nous est là, nous amenons le DJ. On va rechercher un producer. Mais bon, nous posons une question, nous avons dit que ça dans ça. Salut, correct? Correct. Ça y est, présente-toi. Je m'appelle Avnish. Il appelle Avnish. Qui l'a sonné? 30 déjà. Te marier? Non. Il n'est pas qu'on marier. Les filles. Avnish, raconte tout ton parcours musical. Comment tu te rends dans la musique? Je me rends dans la musique depuis l'école, au fait. J'intéressais que mettre la musique, DJing et tout. Quand je mets la musique, là, on appelle le football, faire l'anniversaire camarade. Après ça, je me rends dans un groupe métal, faire Scratch, c'est Scratch ici là-bas au début. Ouais. Et en gros, c'est ça. Ouais. Ok, mais après l'école qui est arrivée, tu continues à persévérer pour trouver. Ouais, Qui te fait, qui te demande projet, qui te raconte un peu, qui te fait. après l'école, mais mon à Singapour pour étudier, faire un diplôme en design et tout, mais comme là-bas, sinon, mon rentre dans l'école DJ au début. Ouais, toujours, c'est apprendre Scratch ici, là-bas, et là, ticket, ticket, on découvre plus la musique, plus différents styles, et bon, enfin, c'est mixé tout cas, styles, ouais. C'est un peu d'affaire là. C'est pas une raison, c'est quoi déjà mixé hip-hop, Scratch, ou. Ouais. Après ça, pourquoi donne-nous les mots ici, déjà généraliste? Vous allez plus éclectique que général. Éclectique à la là, là. Okay. Le mot approprié. Ok, mais gaga, ça veut dire. Mais est-ce que dans Singapour, est-ce qu'il y a une place comme résident qui te fait une soirée que tu nous joues, une affaire qui manque, toi, comment dire? Au fait, il me prend assez de temps pour monter dans la scène là, Singapour, mais c'est un niveau, j'ai tout déjà bien calé. Et moi, tu peux toujours apprendre, moi, tu veux être assez étudiant, là, puis c'est vite mixé. C'est balancé entre les deux. Pardon? C'est balancé entre les deux. Ouais, balancer entre les deux, mais aussi quand tu as besoin d'être connu, pour le cas, comment je vais dans une place sérieuse, comment dire. Ah, ok. Ouais, qui est. Bon, il se peut passer le cas, mais il est assez. Ouais, d'essayer. D'un camarade. Qui est pas trop bon aussi. Ouais, que 4h du matin, de venir mettre un son. Au début, si c'était comme ça, enfin, comme si j'avais une Maurice, ouais, j'ai tracé, que comme un camarade DJ. Bon, ça, c'est à l'époque, la mine, comme toi, peut-être. Vous pensez. Ah, ça me rappelle les enfants terribles. Des jeunes enfants terribles. Tu joues dans Mine, tu joues dans Sub. Je me rappelle ça, ouais. Je me rappelle ça, soirée là, c'est une soirée Happy House. Exactement, exactement. Vous direz, il faut tout ça, soirée là. Ouais. Ouais. Et ça, c'est un rappel. Ouais. Mais Singapour, là-bas, si je ne me pas tromper, Simone suit, toi, bien, tu as une compétition, tu ne peux pas participer là-bas. Ouais. En fait, ça, c'était une bonne affaire qui. Donc, aide-moi, montre-nous la scène, au fait. Parce que c'est une compétition pour un magazine okay. Qui appelle ça DJ Quest. Au fait, je fais compétition pour Old Man Upcoming DJs. Et que compétition à faire dans le plus grand club Singapour. On connaît le numéro 5 mondial, tout, avec Zouk. Ok, ouais. Mais compétition à faire là-bas, au fait. En tout cas, c'est pas 15 minutes, vous avez venir jouer, monter tout comme mixer. Gagnant là-dedans. Et quand tu featured dans. Tu viens de représentant juste à l'année là. Ok. Ouais, mais il est là avec ça, ça fait en tout cas. Il y avait la possibilité quand tu as dans une bar, même pas club, mais dans une bar, qui ouais, mais tu gagnes sa compétition là. Une référence comme si. Une petite référence à elle là. C'est une étoile que tu as développée là-bas. Au début, après, ouais. Et à ce moment-là, moi, Zouk, moi, je connais, enfin, pas qu'on Zouk, moi, je connais dans Singapour, je connais dans Paris. Et moi, ça, c'est le même Zouk, il est aussi en Angleterre, si on voit. Non, il est différent. Ah, c'est différent? Zouk, là, il a commencé à Singapour. Ok. Zouk, là, on fait des vidéos à tribu, en fait. Ok. Et c'est un club culte, je me connais plus que l'an dernier, c'était 21 ans, à Singapour. Il y en a une qui est ici, en Malaisie. Mais raconte-nous l'ambiance, ça comment était si vous pensez. C'est une grosse affaire, cinquième mondial. Bon, c'est vraiment la référence de Jacques Leva, c'est la référence de l'Asie, comment dire. Parce qu'il tenait 5 la salle. 5 la salle. Ouais, cinq, enfin 5 venues, en tout cas. Dire. Quand tu rentres, tu le premier, c'est le Wine Bar, comment dire. Okay. Casse-pouce, ouvert, à Pierre Bonheur, comment dire. Après, tu rentres, tu gagnes.
La zone référée, dit que le main room, look, qui a une capacité de 1500 000 du monde, une grande affaire. Tu l'as dans ces bâtiments-là Pourquoi arriver au 3, 4, 5, 5e la piste ça. Quand après, tu as une autre salle, appelle Future. Okay. Future, il dit chose, il dit la salle hip-hop. Okay. Ouais. Après, tu as Velvet Underground qui parle là-bas, Velvet Underground, il dit c'est la salle. Plus underground. Ok. Quand tu gagnes plus techno, underground. Il y a plus petit, il y a 500 du monde en train. Ouais. Mais. En toute modestie. Après, tu gagnes l'autre la salle qui est dans. À côté Velvet, qui est Velvet Lounge. Ok. Là-bas, il y a plus combien de chambres, mais c'est Nick. Ah, si, j'ai plus d'adorance. Alors, c'est moi. C'est pas de service. C'est de bouteilles, de vingasse, un peu, de bois. C'est la salle VIP, là, comment dire. Ouais. Moi, je prends un jour aussi en volant là-bas. Qui vous dit, c'est seul. Hein? Mais Avnesh, là, non, 2016, ouais. Qui te demande un projet que tu peux faire et qui te peux faire après? Qui te, dans ce moment, tu quitter mes travail? Dans ce moment, mais toujours ce qu'il nous qu'il toujours faire avec un collectif, et ton Kain, qui avec collectif là, nous, un groupe camarade, même camarade depuis l'extérieur, que nous, vous pensez nous assez avancé la scène avec le podcast, nous un podcast depuis 2010, nous commençons le podcast. Ok. Ouais, et que ça nous donne assez visibilité au collectif et au nom ici, comment dire. Ouais. Et que, mais nous pouvons aussi un peu parce que ça en est là, fait 10 ans du collectif. Ok. 10 ans avec Trocaïne, ça en est là. En même temps, c'est ça, depuis ça en est là, début de l'année, nous faisons pas mal d'événements. Même s'il reste en background, c'est une nouvelle setup, de faire installation, créer la lumière, projection. Mais ça, c'est le projet actuel, dans le futur, mais pareil, nous pouvons participer dans Poly by Light, faire l'installation. Quand les rêves nous choquer de ce qu'ils nous font, tout ce qui est audio, visuel. Un autre niveau, alors. Tu vas venir en affaire. Nous allons attendre Poly by Light, nous allons dire. Le 2, 3, 4, non, ouais, mais nous sommes venus pour faire une affaire. Allons dire artistique, quoi, pour montrer qui nous a fait, qui nous a fait, depuis l'extérieur, est venu pour. Il y a des petits coups de main, il fait mal d'affaires. Il fait mettre ça en place, quoi. Et Marie, c'est aillé. Ouais. Ah, c'est la question pour un champion. Comment te trouves la scène musicale actuellement, Maurice? Vu que tu es dans les hauts et tu nous aides pas mal d'artistes, vous pensez, pas mal de producteurs, pas mal de personnes qui dans la musique. Comment tu trouves la scène musicale actuellement, Maurice? Actuellement, en fait, la scène line, pour moi, la scène line, sur les 3-4 dernières années, il m'a changé. Okay. En fait, pour moi, maintenant, il y a un changement drastique dans le domaine qui m'a été. Bon, on va faire le côté commercial. Normalement, il y a la musique, toi, bon, la musique, oui, DJing oui, en général. Gros, ouais, ouais. Côté, bon, avant, je vais faire une soirée. Donc, en fait, quand on commence à changer, quand je fais une soirée dans le bois, nous dire. Je fais une soirée, il est bien là, il est bien ici. C'est une affaire qui me trouve une chance à celle-là parce que bon, il y a beaucoup plus de DJ ici. Ok, ouais. Ouais. Mais tu me fais intéresser dans la musique. Et... Ouais, mais c'est, vous pensez qu'il arrive à un niveau, un pic, ouais, mais tu vas avoir un DJ, mais tu es déjà bon pour un diapo, démoque-toi parce que. Ouais, au début, ça quand tu fais dans ça, c'est bien. C'était moi, on a beaucoup. Ouais, c'est vrai. Peut-être vraiment. Mais ce qui est intéressant là, c'est pas avec Maurice, pour moi, c'est ouverture. Il y a un tas de détails que vraiment je voulais différemment parce que tu as Internet là qui nous change tout aussi. L'accessibilité, la musique. Mais il y a beaucoup de gens qui arrivent dans notre. Il y en a ce bon mauvais côté. Pour moi, tout le monde qui arrive à l'accès à faire là, mais tu as tout besoin qu'on. C'est une bonne partie, pour moi. Ça me fait un tas d'idées que je vais faire ici. Avant, tu faisais tracer, quoi, pour gagner, je crois. Mais c'est. On rappelle à l'époque, là, ouais. Ouais. Mais à ce stade, tout le monde est dans le show, tout le monde qui a joué, tout le monde qui a gagné matériel. Exactement. Ouais, mais comment tu fais la différence, sûrement? Et si, bon, c'est nous arrivons à ce stage que tout le monde connaît qui a fait, mais qui next step là. Parce que là, pour moi, il arrive vraiment le niveau. Tout le monde fait, donc comment je fais fait. Donc, il y a un tas d'affaires qui montent, je fais fait. Ça, quand même, monte le niveau. Et un tas de DJ, un tas de camarades, même qui retournent depuis l'extérieur, il y a fait.
Ouais, dans ta collectivité, c'est un truc de dos, c'est du monde qui a une expérience de l'extérieur, que je peux apporter. Musicalement, c'est quand même différent. Je vais respecter tout le monde musicalement, mais ce que je peux contribuer, ce que je peux faire, c'est une contribution. Même donné, même les commerciaux, même les underground, ici, là-bas, niveau-là, c'est un niveau que je peux essayer d'archiver. Même dans une soirée plus commerciale, ben, je peux remettre mes projections là-dedans. Ouais. Je peux créer l'expérience. Enfin, nous travaillons avec la case. Nous travaillons avec toujours différents collectifs là, pour faire plus le côté visuel. Normalement, setup ici, là-bas. C'est intéressant. Donc, il y a une tâche, je ne sais pas si j'amène DJ depuis l'extérieur pour faire une... Il va bouger, dis donc, moi. Mais localement... Bon, pensez, il arrive à un niveau côté assez... Je sais qu'on est le next step. Et bon, à cause de ça, je trouve un assez DJ qui m'a dit qu'il rend DJ à 16 heures environ de production. Bah, c'est un next step là. Si tu quand même des choses ensemble avec toujours un seul style de la musique, mais là, que tu fais après, moi, je... Ouais, c'est vrai. Ouais, c'est bon. Mais aujourd'hui, dans notre petit salon, qui t'a pour faire pour nous? Quand ici, un prix ou bien. Bon, c'est mon cas, je c'est plus un. La musique qui m'a écouté, c'est là, un mélange. C'est une session d'écoute, nous, Madiane, un mélange, un voyage, tu vois. Tu voyages, c'est un voyage. Moi, j'espère que tu me connais, moi. Hein, attends une vidéo là. Bon, nous avons une présentation, mais tu vas venir, je passe au niveau mixé. Et pas oublier, comme toujours, like, share, comment, subscribe. Who would like to give me a definition of what music is? Any music, what do you think? Music, what do they think that music is? Anybody? Nobody? Okay. Let's go to the text, and we turn to page four, and we read that music is sound in melodic or harmonic combination, whether produced by voice or instrument. Now. Questions. Anybody?
loves the sunshine. Sunshine. Everybody loves the sunshine. It's my life, my life, my life, my life. It's now or never. I ain't gonna live forever, never, never. My life, my life, my life, my life. It's now or never. I ain't gonna live forever, never, never. Do it now, what's the later? Prototype, archetype, procrastinator. What you waiting for? Do it now, what's the later? Prototype, archetype, procrastinator. We'll be right back.
ayant beaucoup réfléchi sur les aventures de la jungle. Et à mon tour, j'ai réussi, avec un crayon de couleur, à tracer mon premier dessin. Mon dessin numéro 1. J'ai montré mon chef-d'œuvre aux grandes personnes et je leur ai demandé si mon dessin leur faisait peur. Elles m'ont répondu, pourquoi un chapeau ferait-il peur? Mon dessin ne représentait pas un chapeau, il représentait un serpent bora qui digérait un éléphant. J'ai alors dessiné l'intérieur du serpent bora afin que les grandes personnes puissent comprendre. Elles ont toujours besoin d'explications. C'était mon dessin numéro 2. Les grandes personnes m'ont conseillé de laisser de côté les dessins de serpents bora ouverts ou fermés et de m'intéresser plutôt à la géographie, à l'histoire, au calcul. We'll be right back.
Madagascar, oui, yeah. Sara, vovô Sara, Sauvez mon ban, sauvez, en tendant toi mon ban.
Et en tout cas, mon gars, je te donne les mondes. Abonnez-vous, vous allez voir ça. Je viens de Madagascar. Après, je retourne à Maurice, je reste dans Maurice. J'ai l'occasion d'écouter Ménor. J'ai l'occasion d'écouter le grand Kaya. Et aussi le grand Bruno Raya. En tout cas, Avnesh, merci. Ça, pour rendre à une époque, je donne un set comme ça. C'est ce qui m'a fait rouler dans sa loupe personnellement, moi, mon dieu franc. Et un petit mot pour la fin? Merci. Essayez qui est vers ça, continuez. Essayez, en tout cas. Like, share, comment, subscribe in the saloon.